Donc voilà pour mon petit déj, petit café, enfin cappuccino comme d'habitude. Et j'ai voulu changer cette année, de prendre du fromage à blanc vanille avec du miel, des fruits, donc là c'est des figues, et un peu du muesli qui vient de chez Lidl avec des copeaux de chocolat. Donc hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Back to School, une morning routine. J'espère en tout cas que votre rentrée s'est bien passée. Hier je vous ai fait la night routine, n'hésitez pas à aller la checker, et là aujourd'hui on fait la morning routine. Généralement le matin, Prince il vient toujours se coller à moi, on se fait des petits câlins et tout, il est trop mignon. Et moi du coup j'en ai profité pour mettre ma nouvelle vidéo décoration action. Voilà, c'est celle-là. Je vais mettre la musique parce que sinon je vais être coupée en droit d'auteur. Décoration Primark, celle d'hier, celle que j'ai faite. Et après, sinon, je vous mets des vidéos soit sur les villes, etc. Mais là, comme je vais plus trop voyager, je pense que les prochaines, ça sera peut-être Saint-Malo, etc. Mais après, bah, ça sera tout pour les voyages. Des trucs assez sympathiques. Avant, voilà, c'était très axé sur les voyages. Mais j'ai envie de varier un petit peu. J'ai pas envie de me mettre dans une case. Et puis, vraiment, c'est que pour le kiff. Donc. Et j'aime bien, donc voilà, je vous ai montré décoration Primark, décoration Action, et là il y a les décorations en ligne qui arrivent bientôt, donc le jour où vous voyez la vidéo. Donc vous pouvez aller voir, c'est Elisa BRTOF, mon petit TikTok, donc n'hésitez pas à aller checker. Je crois qu'il y en a deux à moi là-dedans, mais j'ai pas compris pourquoi il y en avait deux. Bon, lavage de dents fait. Pour le matin, je vais utiliser la crème lavante, soit j'utilise la crème lavante comme ça, de la gamme Clinance Hydra, parce que c'est vachement bien cette gamme-là, ou la mousse nettoyante. Ça peut-être plus pour le soir parfois quand je me maquille beaucoup et tout, genre ça nettoie et démaquille, c'est vachement bien, puis c'est une mousse, donc c'est super agréable. Donc on va en mettre une toute petite pompe là comme ça sur le visage. Donc il faut un tout petit peu humidifier le visage. Et ensuite, hop, ça sent super bon. Ça sent le truc pour le bébé, vous savez. Voilà, c'est hyper doux et ça nettoie très très bien et ça hydrate, vous n'avez pas le visage tiraillé. Je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que c'était une vingtaine d'euros. Donc on dirait pas que je me suis mise de la crème lavante sur le visage, mais ça mousse pas. Enfin, moi en tout cas, ça n'a jamais moussé. Ensuite, j'utilise ça du coup. Je crois que je vous l'ai déjà montré. C'est la marque Patika. C'est un sérum régénérant éclat. Quand même pas mal utilisé et ça se vide très rapidement. C'est dans un des calendriers de l'avant en fait. Et j'ai pas vu vraiment de résultats. Mais bon, j'utilise parce qu'il faut l'utiliser, faut pas le gâcher. Donc, ça sent très bon par contre, ça c'est vraiment un truc de ouf, ça sent super bon. Mais régénérant éclat, je sais pas, ça fait plus le mois de juillet que je l'utilise. J'ai pas vu vraiment d'éclat et le problème c'est que souvent il y a un effet de matière après qui se crée quand ça sèche. Ensuite, petit hydratant en dessous des yeux, c'est super bien ça. D'ailleurs je vais mettre des gouttes pour les yeux, ça va me faire aussi du bien. Si vous n'arrivez pas à vous mettre des gouttes, vous le mettez dans le coin interne, après vous bougez votre œil, et enfin votre tête, et ça va dans tout l'œil. Bon, c'est mieux faire droit, mais moi j'y arrive pas. Voilà, très très bien. Donc on va mettre ce petit Hydra Végétal de chez Yves Rocher, il est vraiment top, hein. Ça je peux vous conseiller, très très bien. Je sais pas où est-ce que j'ai... Je sais pas comment je l'ai reçu. Peut-être en cadeau, parce que je l'ai pas acheté, ça c'est sûr. Vous savez les cadeaux, là, fidélité. C'est tellement du bien. Et ensuite, on va mettre la crème hydratante qui est super bien aussi. Je peux vous la conseiller. C'est une crème hydratante, toujours de la marque, la gamme Clinance Hydra. J'ai acheté aussi celle-là et je vais recevoir la gamme avec le masque et tout, je crois, de chez Aven. Et je sais déjà que ça va être une tuerie parce que la crème déjà et la truc lavante là, c'est génial. Donc écoutez, hop, on en met partout. Ensuite, je vais mettre du Cicaplast. Ça, maintenant, je le mets assez souvent. Je mets toujours des baumes. Ça peut être celui d'Hello Body qui est bien. Il y a celui-là qui est bien. Et les typologies aussi qui est pas mal. Moi, j'utilise le Cicaplast parce qu'il est vraiment bien, bien, bien hydratant. Et il apaise. Et il répare vraiment bien. Donc, j'en mets un tout petit peu, hein, pas énormément. Alors, pour le make-up, bah, moi, je suis assez simple. Déjà, on va faire les sourcils le temps que ça pénètre un petit peu. C'est le crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Ils sont vraiment bien, je vous les conseille parce qu'ils durent très longtemps, ils sont pas chers. Genre, je crois que je les ai payés 6€ avec les moins 50 et tout là. Mais vous avez toujours moins 50 avec eux. Donc, on va se faire les sourcils. Avec les boutons et tout qui ressortent, on dirait que je suis extrêmement sévère. Mais non, en fait, c'est vraiment pile peu ma couleur. Avant, j'avais la teinte 3, c'était un peu trop foncé, je pense. Là, bah, je suis très contente de cette teinte là. Ensuite, pour l'anti-cerne, ça fait tellement longtemps que je l'ai, il dure beaucoup celui-là, c'est le Fit Me. Le numéro 8. Donc on va mettre un petit peu d'anti-cerne. J'ai tellement de boutons, je n'en peux plus. Je ressemble à un dalmatien. Je suis assez horrible. Oh, c'est une catastrophe. Et après, bah, je vais prendre ma petite brosse. Toujours la même, hein. C'est toujours un peu la même routine make-up. Ça vient de chez YesStyle, c'est très 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 bien. C'est un paquet de pinceaux qui est vraiment top. Si je retrouve les liens, oh ça me gratte, ça y est, j'ai un nouveau bouton, ça me démange. Si j'ai le lien,
je vous mettrai en barre d'informations. Donc moi je mets pas de fond de teint, c'est très rare que j'en mette. J'aime pas en fait l'effet que ça a sur la peau. En plus moi j'ai le visage très très gras, du coup c'est pas top. Genre tu touches la peau après qu'on a plein les mains, genre si. Oh, je déteste les fonds de teint. C'est... Même les bébés crèmes et tout, oh ça me gratte. Oh là non, ça me gratte. Regardez, j'en ai marre. Mais après on va essayer de réchauffer ce teint blafard pour éviter qu'on me dise que j'ai l'air malade. Et on va d'abord fixer le make-up. Donc moi pour fixer j'utilise la poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Elle m'a coûté une blinde mais par contre ça dure longtemps. Hein. Franchement je suis très contente de ça. Après j'en ai pas beaucoup non plus. Mais c'est vraiment très très bien comme poudre. Bon sinon j'espère que vous stressez pas trop pour la rentrée. Moi comme je vous l'ai dit hier, je stresse énormément, j'en peux plus, mais je pense que tout le monde stresse et en soi faut accepter. Oh, ça me démange, c'est pas possible que ça, mais c'est arrivé d'un coup en plus là, regardez, j'en ai marre, je n'ai plus de batterie, ah. Mais en soi c'est, voilà, c'est normal de stresser en fait, hein. Je vous avais fait un petit réel là-dessus sur j'apprends la rentrée l'année dernière je crois, et ça vous avait beaucoup plu et vous êtes beaucoup reconnus dans ce réel là, il est sur Instagram mon réel, peut-être que je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense aussi. Et franchement j'utilise le toujours la même, hein. Oula est en train de mourir là, je suis en train de tapoter sur le côté pour avoir les trucs. En fait il faut accueillir ses émotions je pense. Tiens, tu stresses, bah pff, en fait c'est normal de stresser quoi, enfin ça sert à rien mais c'est normal, c'est humain, enfin voilà, on arrive dans un nouveau truc, nouvelle personne, nouveau prof, enfin nouvel emploi du temps, nouvelle galère, nouvelle année. Et le blush, pardon, c'est Milano. Je crois que c'était ça le nom. Et c'est le numéro 5. Donc voilà, déjà pour le teint, on a un peu mieux. Et moi, ce que j'aime bien faire, le liner, c'est celui-ci. C'est le liner marron de Tattoo Liner. Je crois que j'avais eu dans un calendrier de l'avant, encore une fois. Et c'est marron, donc j'aime bien. Fait pas trop marqué, c'est assez naturel. On va mettre du mascara. En ce moment le mascara que j'aime bien, bah, je sais pas où il est là, c'est celui-ci, c'est le Tarte Mane Eater, je sais pas comment on dit, mais c'est celui-ci, toujours dans un calendrier de l'avant, je l'ai reçu. J'achète jamais de make-up, hein. Le seul make-up que j'ai là c'est grâce au calendrier de l'avant. C'est avec des picots, alors moi de base je suis pas fan des picots, je préfère les brosses, mais celui-ci est plutôt pas mal. Et voilà du coup pour les yeux ce que ça donne, donc là j'en ai mis un petit peu partout au niveau de ma paupière, on va prendre un petit goupillon. Et voilà, et pour les cheveux, attends, je suis encore rouge, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Pour les cheveux, moi j'utilise une brosse comme ça là, vous savez. Ça abîme un peu moins les cheveux je trouve et ça défait un peu moins mes ondulations naturelles je trouve, je sais pas, mais j'utilise ça pour démêler, mais je vais rien faire à mes cheveux, j'aime bien les laisser naturels. Mon père il a les cheveux ondulés en dessous et lisses au dessus, genre vraiment ça n'a aucun sens. Donc voilà, il y aura pas grand chose à faire pour les cheveux, ça c'est vraiment un gain de temps le matin et je vois envie de faire une coiffure foireuse et voilà. Petite coiffure faite. Mes cheveux, moi je mets soit de l'huile de coco en spray, soit ça, c'est Aven, l'huile de soin, donc ça peut se mettre sur le corps ou autre. Et bah en fait, moi je le mets sur les cheveux, ça sent bon et ça ne graisse pas, ça n'alourdit pas, c'est vraiment génial. Donc je mets ça sur les pointes. Et voilà, écoutez, pour le skincare, au moins on est prêt, maintenant on va aller s'habiller. Bah du coup, hier on a dit qu'on mettrait une robe kaki comme ça. Donc je vais mettre une robe kaki. Oh, je vais faire ma transition, attention. J'ai jamais fait. 1, 2, 3. J'espère que j'ai réussi la transition. Regardez comment elle est trop belle. Je sais plus où est-ce que je l'ai eu. Je l'ai eu à Pinky. Alors, il existe en blanc aussi, mais le blanc est tellement transparent, c'est une atrocité. La robe, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper du sac. Pour mon sac, je crois que je vous l'avais montré hier. Mais je vais mettre mon petit livre. Donc ça va être ma nouvelle routine maintenant de lire un livre dans le métro, parce que j'ai 1h30 aller, 1h30 retour, on est ravis. Du coup, j'ai pas envie d'être toujours sur mon téléphone, et puis quand tu écoutes de la musique, tu écoutes toujours la même musique. Normalement, ça devient lourd, quoi, 7 jours sur 7, c'est chiant. Donc, un livre, j'espère que je vais pas m'endormir dans le métro. Donc voilà, j'ai pris ça pour essayer d'y arriver. Ensuite, ce qui est très important, c'est les chargeurs. Bon là, ça va être une petite journée, je prends quand même mon chargeur au vélo parce que ça prend pas de place. Mais les chargeurs c'est très important, donc petit chargeur, je vais prendre mon iPad cette fois-ci mais avec ça, au cas où si le cours est trop galère à écrire à la main, j'aurai un clavier, je reprendrai le soir sur mon ordi là, mon ordi portable. Donc ça, au moins, c'est protégé, je sais pas si je prends, si je vais prendre ça quand même. Je vais prendre ma pochette parce que j'aime pas que les gens voient que j'ai un iPad, bon après ils se doutent que là j'ai un ordi mais bon,
Je préfère que voilà, ça soit protégé au cas où. Voilà, ça peut être pas mal. Et je vais remplir ma bouteille d'eau. Et en fait, j'ai fait l'erreur de le mettre au lave-vaisselle. Hein, bien évidemment, je suis débile. Et je sais pas si vous voyez, il y a les heures, là, comme ça. Et donc, il faut que je boive chaque fois. Je vais prendre un stylo, j'arrive. Bon, mon stylo, ça va être très simple. Je vais prendre un Bic lambda, au cas où s'il faut signer des trucs. Je la mets dans ma petite pochette. Et ça, mon petit stylo Believe in Magic. Donc ça, je vais le prendre avec moi. C'est très important, je suis très sentimentale avec ça. Et j'ai aussi des trucs pour laver les mains, genre des trucs comme ça. Enfin, j'ai plein de petites choses là. Je sais qu'il y a des profs, par exemple, ma directrice, elle a des livres. C'est comme ça que j'ai révisé en fait sa matière de droit, c'est avec son livre. Et là, on va encore faire du droit du risque. Du coup, je crois qu'elle a un livre, donc pour ça, j'essaierai de prendre, quand j'aurai le livre, du coup, mes stabilos. De toute façon, je vais vous faire mon organisation là, mercredi, vous allez la voir sur YouTube. Donc je vais vous faire ça, puis je pense qu'on est bon pour cette rentrée scolaire. Ça va aller, hein, vraiment, ça va aller. De toute façon, c'est vraiment une passade. On a juste peur de l'inconnu, on a peur de comment ça va se passer. En fait, on maîtrise rien. Donc, comme on ne maîtrise rien, ben, on a peur, on panique. C'est totalement normal, hein. Voilà, c'est normal de paniquer. Tout le monde va vous dire, mais ça va aller, ça va aller. Même si ça va aller, c'est paniquant quand même. Enfin, voilà. Donc bon, on va essayer de relativiser, Avant de clôturer, j'ai oublié de faire quelque chose de très important. C'est de mettre déjà mes bijoux et mon déodorant. Alors pour les déodorants, je vous en conseille deux. Donc déjà les Schmitt, ils sont très 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 bien. Par contre, si vous mettez un vêtement noir, ça peut marquer. Donc c'est pas top. Donc si vous mettez du noir, les déodorants Unbottled, ils sont vraiment top. Je suis très contente, ils sont pas du tout gras. Et ils tâchent pas du tout les vêtements noirs. Donc ça c'est bien. Pour les parfums, je sais pas de quel mettre. J'ai le Karma qu'il faut que j'aille remplir. Je sais pas s'il y a des rituels, ils font des remplissages de ça. Donc je vais aller voir prochainement si je peux les remplir. Sinon j'ai Ayurveda, ils sont très bons. Mais je crois que c'est un petit peu fort là, pour la rentrée. J'ai celui-là que j'aime trop, il est magnifique. C'est Sakura. Oh, ça sent bon. Et j'ai aussi les petits. Donc ça, je le mets souvent dans mon sac à main. C'est donc des pchit-pchits comme ça. C'est de base des sprays. C'est pas des parfums, hein, c'est des sprays. Tout ça, c'est que des sprays, hein, c'est pas des parfums. Moi, je suis allergique aux parfums. Donc les sprays, il n'y a pas le composant qui me rend allergique. Je suis encore rouge. Et du coup, moi, je mets ça des fois dans la journée comme ça. Ça fait du bien. Donc ça, je le laisse tout le temps dans mon sac. Et ça se vend aussi à Ritueuse. Je pense que cette année, je vais prendre le calendrier de l'Avent Ritueuse parce que j'ai plus beaucoup de produits de chez eux. On va peut-être regarder ce calendrier de l'Avent cette année. Et sinon, ça, c'est vraiment incroyable. La brume parfumée de chez Yves Rocher au Monoeil. Elle est incroyable. Donc je vais mettre ça parce que je l'aime beaucoup. Et c'est encore l'été. Enfin voilà, tu connais. Et ensuite, je vais mettre mes bijoux. Donc moi, c'est des bijoux qui viennent de chez Who We Are. C'est une marque française vraiment bien. Ça, c'est une créatrice qui les fait. C'est assez connu en plus, elle est très 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 connue la créatrice. Je sais plus du tout. Elle fait avec des fleurs et tout, c'est magnifique. Et en plus, elle est ajustable. Moi, pour mes doigts chelous, c'est très très bien. J'ai besoin à chaque fois d'avoir des bagues ajustables parce que vraiment, mes doigts, j'ai des doigts de pianiste. Vous voyez, ils sont très tordus et tout. Enfin voilà, comme j'ai fait du piano en étant jeune, bah, je sais pas, ça a déformé mes doigts. J'ai les mêmes doigts que mon père, c'est une catastrophe. Parce que mon père aussi était pianiste, enfin, était musicien. Donc voilà, j'ai plein de petites bagues et tout. Enfin voilà, j'essaie d'alterner et tout par rapport à ceux que j'ai rachetés en Grèce. Et pour les colliers, bah du coup, c'est mes colliers que j'ai fait. D'habitude, je mets toujours, toujours, toujours celui-là. Je pense que vous l'avez beaucoup, beaucoup vu. C'est aussi de chez Who We Are. Ou sinon, le petit soleil. Bon, ça fait pas trop le focus, mais voilà, vous voyez un petit peu. Mais là, j'avais décidé de faire moi-même mes colliers. Donc le premier, c'est avec des petites cerises et je vais faire bientôt avec des citrouilles. Je suis en train de regarder comment on peut faire parce que j'ai pas vu de tuto. Donc des petites cerises trop mignonnes, après des pastèques. Au moins ça annonce la couleur de qui je suis. Qui se promène avec un collier pastèque et cerise? Personne, il n'y a que moi. Voilà, j'annonce la couleur de qui je suis très calme, très bizarre. Et pour ma coque de téléphone, je vais la changer du coup parce que bah, là c'est ma coque, vous savez, quand je conduis, ça c'est aimanté, etc. Et je vais mettre donc celle-là de chez Shein, elle est trop belle. Donc voilà ce que ça donne, c'est trop bien. Et celle-là, il faudrait que je la mette à tremper parce qu'à skip, ça jaunit. De base, c'est transparent. Hein. Il faudrait que je regarde une astuce sur TikTok, je crois que j'en ai vu une. Il faut mettre du bicarbonate, je sais pas quoi. Mais voilà, en tout cas, pour moi, petite coque. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, comment ça s'est passé et tout. Moi, je veux tout savoir. Je veux voir si c'est une catastrophe ou pas. Ma pire rentrée, je crois que c'était en L2 ou L1, gestion. Je me suis trompée d'amphi, je me suis trompée de prof, je me suis trompée d'emploi du temps. Enfin bref, c'était une catastrophe. Donc écoutez, let's go. Et les prochaines fois, en fait, que quand j'irai en cours, quand je commencerai à 8h, ça veut dire que je dois partir à 6h30 d'ici. Donc lever 6h. Oh, faut savoir que moi je suis pas du matin, hein. Je préfère finir plus tard, genre vers 23h, ça me dérange pas du tout, que de commencer très tôt, parce que moi le matin c'est dur. Je prendrais du café, 1 litre de café, c'est ce que je faisais avant, 1 litre de café, et je le buvais au fur et à mesure de la journée, et ça restait chaud, c'était très bien. Donc voilà mon petit sac, il est très bien, je crois qu'il vient de chez Shein, il est vraiment top, en plus ça a bandoulière.
Voilà, c'est vraiment pratique. En plus, ça va bien avec ma petite robe là, comme ça, je trouve ça assez sympathique. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça déchirera juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi pour ma prochaine vidéo. Back to school!